Balobi plus précisément dans la Washington. Balobi maman mardi né. Maman mardi né. Balobi shop Africa Union. Mais toi, t'es un gnosso. Biloko ya 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 Bio Africa Union et toi t'es tout à coup on a pas six mois si non vous voyez pas y'a sinon vous voyez rien mais quand on a dans le cas alors t'es capable de y'a boka y'a fraise y'a bio bio na bio bio na bio si on a même pas le coup là mon canja isali parobi nous on voit y'a rien et Cuba paniwa parobi entente isali ça comme ça ça y'a que un photo y'a mis ça parobi n'y a pas y'a besoin y'a beaucoup besoin ça gagne ça gagne quand on est dans la ligne à base. Mesdames et messieurs, merci de suivre Face à Face, un nouveau numéro. Nous parlons aujourd'hui essentiellement politique et la vie de la nation. Vous devez le savoir, certainement, 2 ans aujourd'hui, on va peut-être aller petit à petit vers la 2e année du mandat du président Félix Tshisekedi. Qu'est-ce que l'on retient de concret? Quels sont les changements que ce mandat a apporté? Il faut dire que Félix Tshisekedi, dit IDEPES, qui dit IDEPES, dit allié IDEPES. Et aujourd'hui, je reçois la présidente de la Ligue des femmes d'un parti allié à l'IDEPES, qui est la Dynamique de Congo Unie, DCU. Avec eux, donc, on parlera aujourd'hui, c'est Madame Audi Arlette. Madame Audi, je dois rappeler que vous avez été, c'est vrai, ça, dans le média, on vous connaît, mais là où on vous a encore connu de plus, là où vous avez joué, je vais dire, votre végétariat, c'est dans le procès sans jour avec Jamal. Tout le monde parlait que de vous, je vois des posts, mais c'est la femme de qui? C'est la fille de qui? C'est la sœur de qui? Comment vous vous sentez aujourd'hui, après ce procès? Après ce procès, je sais même pas si on doit parler d'après, parce qu'il continue le procès. C'est vrai que, comme vous l'avez dit, on a joué la carte. C'est pour dire que depuis les débuts, je dirais depuis un certain moment, j'ai vu croître en moi cette envie, ce désir, cette détermination de pouvoir défendre les autres. J'ai défendu les autres et c'est pour cette raison que j'avais choisi la profession d'avocat. Aujourd'hui, je me suis encore lancée en politique parce que faire la politique, c'est essentiellement se mettre au service de sa communauté, se mettre au service des autres. Et en étant aussi avocat, c'est pratiquement la même chose, le même rôle que l'on joue dans la vie. Donc ce n'est pas très difficile pour vous, quand on est politicien, avocat, c'est pratiquement la même chose. Vous défendez les droits, vous défendez les intérêts. J'ai toujours pensé que les meilleurs politiques sont les avocats, pour ne pas parler des juristes, mais vraiment des avocats, parce qu'on est déjà dans cette profession-là, de toujours prêter sa voix ou sans voix, de toujours prêter son soutien à ceux qui en ont besoin pour pouvoir faire défendre leurs droits. Aujourd'hui, vous êtes allié de l'UDPS, il faut le dire. Votre parti, c'est le parti cher à conseil spécial du président de la République, M. Didier Chimanga. Il est chargé de la stratégie, je crois. Oui. Très bien. Mais comment ça se passe que l'UDPS et ses alliés cachent dans l'ensemble? On a l'impression que vous perdez dans l'opinion face au FCC, à sa machine. La Mouka vous frappe à gauche et le FCC vous frappe à droite. On a comme l'impression que vous êtes totalement perdu. Bon, vous n'êtes pas le seul à évoquer cela. C'est l'impression que ça peut donner. Mais ce n'est réellement pas le cas. Essentiellement par rapport à ce que prévoit la Constitution. Vous voyez, la Constitution, elle fait du président de la République toute une institution. Ça veut dire qu'il n'existe pas d'institution dans notre pays qui soit égale à celle-là. Et cela déjà suffit pour se rendre compte du fait que je ne vois pas comment la tendance changerait aujourd'hui, encore que
le président de la République continue encore à inspirer beaucoup de confiance. Il a le soutien de la de ses populations ou de son peuple. Il a le soutien même des pays dans la région, des puissances internationales également. C'est juste question pour nous de continuer le travail. Continuer le travail, c'est essentiellement nous souvenir de ce qui a été notre leitmotiv. Pourquoi nous avions autant d'années militées pour être au pouvoir? Pourquoi nous avons tâcher absolument avoir ce pouvoir. C'était pour servir le peuple. Et si nous mais est-ce que vous le servez aujourd'hui? Mais bien sûr, nous sommes en train de servir le peuple, mais dans des conditions très difficiles, et c'était prévisible. Est-ce que ce ne sont pas des excuses, tout simplement? Non, mais ce ne sont pas des excuses. Je suis en train de vous dire que des situations, elles étaient prévisibles, des situations difficiles. Vous allez certainement vous souvenir que le président de la République, alors, candidat, et même bien avant d'être candidat dans l'opposition lorsqu'il militait, il voyait un schéma de la transition sans Kabila. C'est justement dans ces schémas que nous retrouvons aujourd'hui où nous sommes obligés de travailler. Il est alors obligé de travailler avec ceux avec qui il se regardait en chaîne faïence autrefois. Nous sommes appelés à travailler ensemble, mais de part et d'autre, je dirais comme ça, on se met toujours dans la posture des gens qui vont concourir au fauteuil présidentiel ou au pouvoir, alors que ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, nous devons donner d'autres priorités, et les priorités, ce sont celles d'échanger effectivement le social de notre Congolais. Sans faire deux ans, maître Odia, les Congolais, son assiette n'est toujours pas remplie, alors qu'on nous avait promis, on nous a dit ça. Ils ont dit qu'ils allaient donner les transports aux Congolais, mais jusqu'aujourd'hui, plus de 100 personnes s'entrelacent dans les arrêts pour attendre un transport, pendant que le président de la République circule avec un cortège de plus de 7 véhicules, on va dire. Alors, est-ce que c'est ça la vie que vous avez promis aux gens et que c'est ça que vous êtes en train de leur donner? Je suis en train carrément de vous dire qu'il n'y a pas de volonté politique, et ces choses, on doit ainsi les admettre. Le président de la République, tel que le veut notre Constitution, le place au-dessus de la mêlée. L'article 69 voudrait qu'il joue le rôle d'arbitre. Lorsqu'il y a un arbitre, ça veut dire qu'il y a d'autre part des personnes qui jouent pleinement le rôle. C'est ainsi que vous voyez les membres du gouvernement qui ont leur rôle à jouer, l'Assemblée qui a son rôle à jouer, les cours et tribunaux qui ont leur rôle à jouer, et ensemble nous servons notre peuple. Le président de la République, en ayant seule la volonté politique, ne va pas facilement arriver à pallier à tout le problème dont le peuple ou le pays est en train de faire face. L'arbitre, il ne sanctionne pas alors, parce qu'un arbitre, ça sanctionne. Lorsque vous faites faux jeu, il dit c'est hors jeu. Mais on a comme l'impression qu'il y a un silence radieux de l'autre côté. Je suis tout à fait d'accord avec vous sur ce point, mais comme je venais de le révéler, que la situation politique, elle n'est pas aussi aisé qu'on pouvait l'attendre ou qu'on pouvait le penser. Et ces choses, elles ne sont pas moindres. Elles sont très importantes. Vous savez, les décisions politiques, elles se prennent en fonction de plusieurs éléments à prendre en compte. C'est que pourrait être des retombées, c'est que pourrait être la réaction de l'autre côté. Aujourd'hui, au lieu de nous mettre tous, FCC, cash, derrière le président de la République pour soutenir sa vision, et la Mouka de l'autre côté comme des vrais opposants en train de suivre l'action du pouvoir en place. Mais ce n'est pas le cas. Rend compte que chacun voudrait prendre la place. Vous avez fait la même chose. Mais pas pour rendre service à la nation, mais pour peut-être remplir ses poches. Lorsque vous étiez à l'opposition, vous n'avez pas aidé Kabila. Pourquoi voulez-vous que la Mouka vous aide aujourd'hui? Ah non, ce n'est pas le cas. Allez, dites-nous. Tout le temps où Étienne Tshisekedi a été dans l'opposition, il a été question d'une opposition constructive. Il donnait une vision, il donnait ce qu'était sa pensée pour le changement. Vous avez dit que c'est le Rwanda, c'est le changement? Non, mais en passant par l'instauration de l'état de droit. Vous savez, dans un pays, surtout démocratique, un pays qui se veut démocratique, il faudrait le respect des règles de jeu. Et les règles de jeu sont établies par les lois dans notre pays. Et le leitmotiv d'Étienne Tshisekedi était celui d'éveiller ou d'exiger le respect des textes.
Et c'est ça, aider le pouvoir. Est-ce que vous faites ça aujourd'hui, vous? Respectez-vous les textes quand on sait qu'un premier, il suffit pour un premier ministre d'être en déplacement à Lubumbashi, à l'intérieur du pays, vous signez plusieurs ordonnances. Est-ce que c'est ça, respecter les textes? Bon, mais de ce point de vue, il faut déjà partir du fait qu'il ne suffit pas que quelqu'un dise qu'il y a eu violation des textes pour le prendre comme tel. Et il y en a qui facilement balancent des situations comme ça, alors sachant que ce que prévoit le texte, c'est exactement le contraire de ce qu'il dit. C'est exactement ce qui a été fait. Dans ces ordonnances, il est bien clair que la Constitution ne réprimait pas les actes posés par le président. Mais il est vrai que pour avoir un climat beaucoup plus apaisé entre différents acteurs politiques, il faudrait tout le temps se mettre autour de la table pour lever les meilleures options. Ce qui a manqué. Non, mais ça n'a pas manqué. Je ne pense pas que ça ait manqué, mais il faut aussi penser à l'urgence. Lorsqu'il y a urgence, il y a des mesures qui doivent absolument être prises. C'est ainsi que vous entendez les Français, par exemple, dire au grand mot, grand remède. On ne sait pas exactement les circonstances qui avaient entouré la prise de ces décisions. Mais ce n'est pas ça la fin du monde. Nous devons continuer à fournir des efforts pour rendre service à notre peuple. Alors, il est clair aujourd'hui que la population s'interroge. La population s'interroge sur plusieurs aspects. Je vais prendre un des éléments, je vais en citer d'ailleurs plusieurs, pourvu que les temps nous soient donnés. Il y a un milieu de citoyens congolais qui s'interrogent pourquoi, par exemple, les soins de COVID étaient gratuits alors que les tests est payant. Il y a $30. Il y a des milliers de citoyens congolais qui s'interrogent pourquoi la taxe de GoPass continue à être perçue, alors que même l'opposition d'hier, aujourd'hui au pouvoir, s'interrogeait et promettait qu'une fois au pouvoir, il y a ces genres de taxes qui disparaîtraient. Il y a plusieurs questions comme ça que l'on doit se poser. Des questions sur la corruption, des questions sur le manque d'eau, des questions sur l'insécurité de l'Est, des questions que le Congolais se pose, il voudrait savoir, lorsque vous étiez à l'opposition, le président de la République aujourd'hui, dans le passé opposant, il disait que cette guerre à l'Est, c'est Kabila, téléguidé par Kabila. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut reprendre le même propos et lui opposer à Félix Tshisekedi, disant que si ça ne finit pas, c'est Félix l'auteur. On parle de 1874 morts du régime Kabila, du régime Félix Tshisekedi. Oui, c'est là tout le problème. Et d'entrée de jeu, j'étais en train de dire ici que on fait la politique sans savoir exactement ce qu'on recherche en politique. Et sans rester fidèle, ça c'est pour certains et pour d'autres, sans rester fidèle à la vision de départ. La politique, lorsque on se décide de s'engager en politique, c'est déjà qu'on s'est dessiné un modèle de société que l'on voudrait rendre effectif. Et on doit se faire accompagner de personnes avec lesquelles on va débattre de cette vision, des personnes qui vont concourir à quelque chose pourvu que l'on construise quelque chose de bien pour notre société. Cela fait que lorsque nous arrivons au pouvoir, il y a une partie de la population, une partie de nous qui est aux affaires, il y a l'autre qui reste au parti politique et ceux qui sont dans les partis politiques doivent absolument jouer ce rôle. C'est lui de contrôler ces les personnes envoyées par les partis politiques, les mandataires du parti politique, et celui de veiller à l'intérêt du peuple. C'est ainsi que vous voyez la loi sur les partis politiques conserver le siège ou les postes pour les partis politiques, de sorte que lorsque vous avez mandaté l'un d'entre vous et qu'il ne se met pas à la hauteur, il doit accepter d'être changé, il n'est même pas question d'accepter d'être changé, vous devez les changer. Et c'est ça défendre l'intérêt du peuple. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Même si l'un de vous, il est au pouvoir, on se rend compte qu'il ne travaille plus pour l'intérêt du peuple, vous vous mettez là à défendre le parti, alors que celui que vous avez envoyé n'est pas en train de porter le changement que vous avez pourtant Mais ça c'est pas sous Fatih aujourd'hui. Promis au peuple. Ça c'est pas sous Fatih. Mais ce ne sont pas les choses... Vous nous avez promis. Ce ne sont pas les choses que Fatih a créées. Il est question de l'environnement politique que nous avons peut-être tous créé. Que vous n'arrivez pas à corriger. Il faudrait qu'il y ait parmi nous des personnes
disposé à relever d'abord le problème, il faudrait que l'on identifie le problème et qu'on réfléchisse comment y trouver une solution. Lorsque nous avons un ministre issu de notre parti politique qui ne travaille plus pour l'intérêt du peuple, au lieu d'attendre qu'il jette de l'opprobre finalement sur le parti politique, il faudrait déjà pourvoir à son remplacement. On ne peut pas continuer à défendre des personnes qui ont perdu la vision première pour laquelle là, ils ont accepté leur fonction. Paroisse. Parce qu'à l'UDPS, vous avez aussi des problèmes comme ça. On reproche au ministre de la Santé la mégestion, il ne maîtrise rien au niveau de la santé. On lui reproche ça, pas moi, mais l'opinion. Il y a le ministre de l'Intérieur à qui on raconte aussi des choses, que depuis que vous avez le ministère de l'Intérieur, il y a des morts. La police continue à gazer, continue à tuer, continue à occasionner de pertes en vie humaine, non seulement des pertes en vie humaine, mais des fractures aussi et des dégâts assez majeurs. Est-ce que là, on dit, bon, pourquoi l'UDPS ne sort pas pour dire tel, partez, on vous remplace. Vous attendez la session, par exemple, maintenant, que l'on interpelle un ministre, qu'on le fasse tomber, vous serez encore beaucoup plus ridicule, on va le dire. Le problème est très bien relevé par vous, mais la difficulté, c'est laquelle? Aujourd'hui, on se retrouve par moments obligé de parler de l'UDPS alors qu'on n'en est pas membre, on n'en est pas militant. Nous ne sommes plus à l'étape de concourir pour obtenir le pouvoir. Nous l'avons. Il faudrait alors que la famille politique du président de la République se mette autour d'une table pour définir la stratégie avec laquelle nous allons aborder les différents défis à relever dans notre pays. Il faudrait finalement que l'UDPS se mette avec ses alliés pour déjà répartir même des responsabilités. Et lorsque vous vous exprimez de cette manière, il y en a qui pensent qu'on est derrière l'argent, qu'on est derrière le pouvoir. Non! On a chacun un projet de société, on a chacun quelque chose à donner pour contribuer au succès du président Félix Tshisekedi. Mais il faudrait avoir de l'espace pour le faire et l'occasion de le faire. Et si ce n'est pas le cas, nous serons tous en train de constater les dégâts, nous serons en train de prodiguer des conseils, mais sinon dans différents partis politiques, alors que les décideurs continueront à faire autre chose. Pensez-vous que l'UDPS se comporte comme le PPRD ? Voulant tout gagner, voulant tout rafler et ne rien donner à ses alliés, sinon des petites miettes. Bon, c'est vrai qu'on peut parler d'une distinction et dans la distinction, il y a des points de ressemblance et ceux de divergence. Et le PPRD, quant à lui, je pense qu'on peut au moins lui reconnaître le fait que avec ses alliés, il y a de plateformes, il y a des chartes signées, il y a tout ce qui est comme ça à prêter. Il y a le FCC. Il y a le FCC avec autant de partis politiques. Certainement qu'à leur niveau, ils se répartissent des tâches, ils savent comment conduire le pouvoir qu'ils ont. Et de l'autre côté, ce n'est pas le cas. Le cas est que c'est l'UDPS qui a le monopole du pouvoir. Mmh. C'est vrai, je veux bien, et tant mieux. Mais pourvu que l'on sache se défendre face à toutes les attaques. Alors qu'en politique... Vous êtes de nouveau venu. C'est ce qu'est l'opinion, certaine opinion. Non, mais on doit ne pas... Vous êtes venu après, vous avez rencontré Félix Tshisekedi, président. Eux ont rencontré Félix Tshisekedi, encore combattant à sa vingtaine. Donc, ce n'est pas la même chose. Vous ne pouvez pas avoir la même part du gâteau. En fait, c'est un peu comme ça qu'ils pensent. On doit ne pas oublier que la politique est essentiellement un jeu d'équipe. La politique, c'est un jeu d'équipe. On a toujours besoin même du plus petit que soit, pourvu qu'il apporte quelque chose de consistant. Vidi Chimanga, c'est quelqu'un qui s'est distingué dans sa façon de voir les choses, dans sa façon de d'abord les concevoir et dans les pistes des solutions qu'il propose. C'est votre président, je rappelle. C'est le président de mon parti. D'accord. Et je sais, et j'ai pleinement intérêt à défendre sa vision. Lorsque le président Félix Tshisekedi, alors mis en difficulté par les amis avec lesquels il était à Genève, c'était une débandade. Il a fallu de personnes comme Vidiye Chimanga pour continuer à encourager les troupes. Nous devons y aller, nous devons retirer cette signature. Il faudrait absolument, cette fois-ci, c'est maintenant ou jamais.
Bah, il est traité de camériste, peut-être qu'il paye pour ça. Non, mais c'est à tort, c'est à tort. Et je pense que c'est vraiment à tort qu'il est traité de camériste. Mais c'est quelqu'un qui reste fidèle à... C'est quelqu'un de loyal, d'une part. Il sait comment les choses se font en politique. Comme je venais de le dire, que la politique, c'est un jeu d'équipe. Nous avons constitué une équipe, celle la fête de l'UDPS, de l'UNC et de tant d'autres partis alliés et à l'UDPS et à l'UNC. Et qu'arrivé au pouvoir, on devrait absolument mettre en place une stratégie pour aider le président de la République à réussir. De l'autre côté, il y a des pièges venant, par exemple, de la Mouka. Il y a des attaques, des pièges venant du FCC, peut-être par des personnes qui n'ont pas été mandatées pour le faire, mais seulement peut-être l'effet d'être imbu de soi ou de vouloir un peu provoquer de l'autre côté. Mais si on reste figé, on garde nos regards figés sur l'intérêt du peuple, que les attaques nous proviennent du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest, on va donner à notre peuple ce qu'il attend de nous. On reproche à M. Vidi, pour terminer, on reproche à M. Vidi des tweets parfois déplacés. Il aurait fait des tweets soutenant Caméré et subtilement impliquant les chefs de l'État dans cette aventure. Et alors, les gens ont estimé qu'il n'était plus quelqu'un de confiance, c'était plutôt un collaborateur de Vital Caméré. Ça, c'est la première manche de la question. La deuxième manche, quand vous dites, par exemple, que bon, il faut qu'on soit ensemble, il faut qu'on soit une force, mais comment vous êtes une force lorsque vous laissez vos alliés tomber? Comment allez-vous être une force? Comment allez-vous pactiser avec l'UNC lorsque Vital Caméré continue à croupir en prison? 20 ans pour un jugement, vous êtes avocat d'ailleurs dans cette affaire, l'affaire de Jamal bien sûr. Premier dossier, 20 ans de prison, un jugement assez dur et sévère pour eux. Comment voulez-vous être ensemble alors qu'au niveau du FCC, ils ne se battent pas comme ça? Ils ne s'entretuent pas. Mais vous entretuez vous-même. Entre vous d'ailleurs. Alors on dit 1000 montres, 1000 heures, ça veut dire que face à un écrit, chacun peut avoir son interprétation. Mais la loyauté de Vidi Chimanga, c'est celle de dire que nous avons été une équipe. Et lorsque l'un de nous a connu un problème, qu'il ait été coupable ou non, il faudrait qu'une stratégie soit adoptée en famille. Pour le soutenir? Non, mais il faudrait que les gens se mettent à réfléchir, oui, sur la meilleure option à lever. Il n'est pas question de soutenir le mal. Et le fait de soutenir, par exemple, d'apporter son soutien à Vital Caméré ne veut pas dire qu'on empêcherait à la justice de faire correctement son travail. Et il y a un autre aspect très, très important que l'on doit relever dans cette affaire ou dans ce dossier, c'est que nous sommes en famille politique. Lorsqu'il y a une situation comme celle-là qui arrive, il ne s'agit pas de n'importe qui. Il s'agit de Vital Caméré. Si on doit le placer dans le cache, ça veut dire que c'est la deuxième personnalité de cette famille politique. Oui. Et lorsque une situation comme celle-là arrive, il faudrait que l'on réfléchisse sur la meilleure des attitudes à prendre. Mais vous allez constater que depuis que cet homme, le directeur de cabinet du président de la République, avait été arrêté, il n'y a véritablement pas eu de point de vue décidé au sein de la coalition cash. Et ce n'est pas normal. Ils ont refusé d'intervenir. Quelle est la conséquence? Chacun interprète de sa manière, chacun prend position telle que cela lui semble bon. Et on ne peut pas reprocher des choses à ce genre de personnes, parce qu'on doit ne pas oublier que la démocratie, c'est essentiellement la règle du nombre. La règle du nombre sous-entend qu'il y aura une partie de personnes, peut-être majoritaires, qui vont penser d'une manière, mais il y aura aussi des minoritaires qui vont penser d'une autre. Et on doit écouter ceux-là qui semblent être minoritaires. On doit entendre déjà aussi ce qu'ils disent, ce qu'ils pensent. Moi, je suis tout à fait d'accord que lorsque quelqu'un a enfreint la loi, lorsqu'il existe des soupçons sur une personne, qui qu'elle soit, parce que l'état de droit, c'est aussi celle-là, le fait d'éliminer des classes sociales, que vous soyez riche, que vous soyez pauvre, lorsque vous avez un problème avec la justice, que vous alliez répondre. Il ne faudrait pas que notre peuple ait toujours l'intention ou la prétention qu'en n'étant pas au pouvoir, en ne faisant pas la politique, on est indéfiniment vulnérable. Alors, ok. Oui, j'étais en train de dire que lorsque cette situation est arrivée,
il faudrait quand même laisser la latitude à chacun d'analyser les faits, parce que dans ces procès, il n'est un secret pour personne, il est passé sur les médias, tout le monde a eu à analyser, tout le monde a pu comprendre que des choses qui avaient été, au départ, auxquelles on appelait peut-être des gens à croire, n'ont vraiment pas été comme telles. Ça veut dire quoi? Parce que là, vous dites subtilement, ça veut dire qu'on l'a condamné pour rien, pensez? On a été trop sévère avec lui ou c'est plutôt ce qui devait être fait? Mais on a été extrêmement sévère envers Vital Kamerhe, ça c'est clair. Et je suis en train de le dire tout en prenant mes responsabilités dans le sens qu'il est un des poids lourds de notre famille politique, Il faudrait ne pas confondre ce point de vue personnel avec celui de mon parti. D'une part, il faudrait ne pas penser que dire que je soutiens que la bonne justice soit administrée dans ce dossier, c'est exiger absolument son acquittement. Non. Est-ce que Vital Kamerhe est-il coupable, de votre point de vue, dans cette affaire? De mon point de vue, je ne dis pas, parce que j'ai été l'un des conseils dans ce dossier, mais je réfléchis comme politique et pour avoir suivi le procès comme tout le monde à la télé, je n'ai pas vu personnellement la responsabilité clairement établie des Vital. Je dirais beaucoup plus celle de Jamal, qui jusque-là n'avait bénéficié que du contrat, du premier contrat avec le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. Il ne faut pas oublier que c'est grâce à ces réalisations, ces belles œuvres ou ces beaux ouvrages qui ont attiré l'attention de la présidence de la République. Comprenez? Qu'il n'ait pas bien exécuté les travaux pour lesquels il avait bénéficié du premier contrat, on ne serait pas arrivé là. On a apprécié ces ouvrages. On a aujourd'hui ramené le contrat de 26 millions à 57 millions et finalement des 57 autres millions. Il y a dans ce contrat des personnes qui ont besoin de bénéficier de son contrat parce qu'on dit à 83 ans, avec ce type de contrat, il va tellement bouffer. Il y a à côté des gens qui veulent bénéficier du contrat, mais il ne faudrait pas nuire les autres. On peut réussir sans tâcher à faire échouer les autres. Le pays regorge de beaucoup de richesses. On veut bien, mais la grande question aujourd'hui, c'est de savoir, parce que quand vous dites, par exemple, que vous n'avez, en tant qu'avocat en plus, vous dites que vous ne voyez rien de si clair. Pourtant, on a eu un jugement aussi motivé que celui-là. Alors, est-ce que vous êtes en train de nous dire que Vital Kamerhe est une victime expiatoire? Est-ce que vous voulez nous dire que Vital Kamerhe n'était pas aussi coupable qu'on le croyait? Si c'est le cas, donc les coupables sont à l'extérieur. Sommes-nous en train de dire la même chose ou vous avez certainement une autre manière de dire mais que vous ne nous avez pas dit? Lorsque j'ai dit qu'il n'est pas aussi coupable qu'on nous l'a fait croire, ce n'est pas comme un profane. Je le dis comme un juriste. Il faudrait. Je suis avocat, je suis juriste, je suis politique et je sais de quoi je parle. Être coupable en droit veut dire quoi? Ce n'est pas seulement avoir commis les faits pour lesquels vous êtes poursuivi, mais c'est aussi l'obligation pour l'officier du ministère public de faire correctement son travail. C'est ainsi que vous voyez qu'en droit, il y a l'appréciation des faits en droit, tout comme sur la forme et sur le fond. Et le forme, c'est de la responsabilité de l'officier du ministère public de pouvoir respecter toutes les formalités requises. Et lorsqu'on se rend compte que dans un procès comme celui-là, parfois il y a des conditions de forme qui n'ont pas été respectées, il y a des éléments d'épreuve qui n'ont pas attiré l'officier du ministère public, lorsque plane le doute, je ne peux que penser à une innocente. C'est clair.
On veut bien, mais là, le ministère public, c'est vrai qu'on ne fait pas toute une émission sur le 100 jours, parce qu'il faudrait parler autre chose. Mais nous voulons savoir, ce n'est pas le ministère public qui a condamné M. Jamal, M. Kamere. C'est le juge qui condamne M. Kamere. Donc, le juge a certainement eu d'autres informations supplémentaires, utilisant son ultime conviction, rien à voir avec forcément les propos du ministère public auquel il n'est pas vraiment lié. Vous reprochez qui exactement de n'avoir pas bien fait son travail? Est-ce la composition, disons, je veux dire, est-ce le juge ou le ministère public? Lorsque je prenais la parole, je vous ai dit que le président de la République était un arbitre et que différents acteurs politiques, à leur niveau respectif, devaient jouer pleinement leur rôle. Et dans le cas d'espèce, la grande responsabilité de l'effectivité de l'état de droit réside en le travail du parquet, en le travail du juge et donc du pouvoir judiciaire. Lorsque ce travail n'a pas été correctement fait, il permet aux gens de douter de l'effectivité de l'état de droit. Et c'est là qu'il se pose une ligne de démarcation entre l'indépendance de la justice et l'indépendance des magistrats. C'est là tout le problème. Le président de la République, il a suffisamment démontré combien il voudrait voir notre justice être indépendante. Et nous avons palper la réalité du doigt de l'indépendance du juge. Mais est-ce que les magistrats sont indépendants? S'ils ne sont pas indépendants, ils écoutent qui? Sachez, croyez-moi, que s'ils écoutent des personnes qui sont contre vous, quel que soit le souci et le rêve du président de la République de voir notre justice indépendante, vous verrez que vous allez subir un traitement inique. C'est ce qu'il faut éviter. Est-ce que Jamal sera acquitté? Ou sera-t-il condamné davantage? Mais la logique voudrait qu'il soit acquitté par rapport aux différents moyens qu'il soulève. Ça, ce sont des aspects juridiques. Moi, j'aimerais plus revenir sur les aspects politiques. Quel est l'aspect politique de ces... Dans l'affaire de Jamal. Dans l'affaire de Jamal, quel est l'aspect politique très important à élever? D'accord. C'est que si aujourd'hui, les 4500 maisons sont construites, parce qu'il y en a déjà 300 qui sont sur place, ou bien plus, si elles sont toutes construites, le président de la République aura logé plusieurs militaires dans ce pays, qui aujourd'hui, pour certains, ils vivent encore à même les sols. Leurs enfants manquent peut-être de quoi manger, parce que la priorité, ça doit être chercher où dormir. Et c'est là l'aspect politique très important, dans le sens que le citoyen congolais, le contribuable congolais ne va pas regretter du fait que autant de son argent a été consacré à ce projet. Il y aura la réussite totale du programme de 100 jours, parce qu'aujourd'hui ce programme est sérieusement critiqué par l'opposition. Et par la population aussi. Oui, par... Faites un tour à Tchang, vous allez voir comment c'est des véritables casse-têtes. C'est ainsi qu'il faut voir l'intérêt de la réussite du projet. Ils ont eu le temps de réaliser, ils l'ont Blattner, pas fait dans le temps. Par exemple, M. Blattner, David, a été libéré pour poursuivre avec les travaux de saut de mouton. À un certain moment, on s'est demandé comment les travaux... On se plaignait des embouteillages, bien que ce n'est pas les sauts de moutons qui ont créé cet embouteillage, les sauts de moutons a trouvé les embouteillages. Mais à un certain moment, on disait que mais avec l'avènement du saut de mouton, on s'est réallégé de cette corvée. Et aujourd'hui, les travaux se sont poursuivis. Il y en a d'ailleurs qui attendent l'inauguration. Si ça avait été le cas avec la construction de ces maisons préfabriquées, on serait aussi à autre chose. En plus, de la gratuité de l'enseignement, on parle aujourd'hui des sauts de mouton qui sont en train de s'achever. On aurait aussi parlé des logements sociaux, des militaires, des maisons préfabriquées. Ce serait comme ça, du coup, du succès du projet 100 jours. Est-ce qu'on peut aujourd'hui s'interroger à combien de pourcentage, à quel degré la réalisation du projet des 100 jours a été faite? Si on se pose des questions réfléchies et des questions sensées, on finira par trouver des solutions aux problèmes majeurs de notre peuple. Et si on condamne Jamal, votre discours sera lequel? Bon, le dernier mot... Ça confirme la peine. Le dernier mot, il réside auprès des juges. Je suis avocat, je ne veux pas changer la donne. C'est une réalité face à laquelle on devra s'incliner.
et poursuivre avec des voies de recours extraordinaires, mais ce sera un coup fatal contre l'état de droit finalement, parce qu'on aura gardé à l'esprit le fait qu'il suffit d'être accusé pour se voir condamné. Il y a plusieurs mesures qui doivent être prises. Il est vrai qu'on reproche à Jamal le fait de n'avoir pas acheté ses maisons, le fait d'avoir détourné. Et la logique voudrait qu'avant de le condamner, qu'une mission d'enquête soit faite en Turquie, qu'une mission d'inspection soit faite dans différents ports pour que l'on se rende effectivement compte de l'achat ou non de ces maisons. Il faut aussi relever le fait que dans le contrat, il n'a pas été donné l'obligation à Jamal d'acheter ses maisons. Ça, c'est clair. L'obligation de Jamal était de construire les maisons. Ben, c'est lui qui a préféré acheter à l'extérieur. Mais justement, c'est ce que je dis. Oui. Même si la construction de maisons passe par l'achat de ces maisons, dès lors que l'effet d'acheter n'apparaît pas dans le contrat, on ne peut pas reprocher à Jamal l'effet d'avoir acheté ou de n'avoir pas acheté. Parce que lui, en tant qu'entrepreneur, il vous donne le prix de maison. Il vous soumet le projet. Vous l'acceptez. Et le contrat est essentiellement un contrat d'adhésion où la plupart des conditions ont été fixées par l'État. L'État a accepté. Aujourd'hui, que l'on vous dise qu'il n'a pas acheté de maison, d'ailleurs, je ne crois pas parce que lui, il n'en fabrique pas. Mais même si c'était le cas, si les maisons sont là, c'est quoi le problème? Le problème, c'est, sans vous interrompre, les gens sont frustrés de savoir que nous avons le bois au Congo, nous avons la main-d'œuvre au Congo, nous avons des ingénieurs civils, militaires dans ce pays, nous avons du ciment, on a tout ici, mais pourquoi avoir donné à un monsieur étranger, selon les dires des Congolais, avoir un si grand marché qu'on pouvait donner aux Congolais et créer finalement des millionnaires si vous voulez. Mais on donne à quelqu'un qui va enrichir le Liban, son pays, qui enrichira par la suite le pays là où on achète les choses en Turquie. On se dit, ben c'était tout simplement de la mafia. Je n'ai pas été là lorsque le contrat se signait. Je ne sais pas exactement quelles étaient les motivations de vous pouvoir... Vous vous êtes l'avocate de... Oui, c'est ainsi que je l'ai su au fur et à mesure. Mais au départ, je n'étais pas là. Je ne sais pas quelles avaient été les motivations. Si vous le saviez, vous allez connaître le défendre? Mais bien sûr, pourquoi? Parce que ce problème, il est aussi résolu. Il faut ne pas oublier qu'il s'agit des maisons préfabriquées. Ce sont donc des biens meubles. Oui. Pour leur construction ici, on a besoin de la main-d'œuvre congolaise, on a besoin du ciment des silos, qui est possible, du ciment de Sinat, mais c'est ce qui est fait, c'est ce qui doit être fait. De l'autre côté, on n'achète que les maisons préfabriquées, mais elles sont construites, elles sont construites ici. On peut bien les faire ici, mais est-ce qu'il y a déjà des usines pour le faire? Mais pourquoi on ne doit ne pas oublier qu'il était question... avec, par la suite, d'un projet d'urgence du président de la République. Oui. Or, en 100 jours ou même en 6 mois, on ne peut pas construire 4 000 mètres. Très bien. Moi, je suis convaincu qu'il sera important de revenir sur les questions de 100 jours prochainement dans un autre numéro où l'on élaborera un projet bien. Pour qu'on essaie de parler de l'affaire de Jamal, je vous promets qu'on en parlera un autre jour. Mais rentrons en politique maintenant. Parce que vous êtes, il faut dire que vous représentez aujourd'hui la dynamique du Congolais uni. Congo. Oui, dynamique Congo uni. Parlons-en. Aujourd'hui, à l'est du pays, on continue à tuer. On continue à violer des femmes. On continue à séquestrer nos petits-enfants. Les enfants, au lieu d'aller à l'école, se retrouvent dans les gisements de je sais pas moi, du cobalt, du coltan et autres, dans les mines en train finalement de travailler. Sous Fatshi, il y a aujourd'hui un chiffre qu'on nous avance, c'est 1874 personnes qui seraient abattues. Alors la grande question, Félix Tshisekedi devait aller à Goma, il n'est plus allé, promesse électorale, il va établir son QG là-bas, le quartier général, tout ça, mais rien de ça n'est arrivé là-bas. On se pose la question. Les alliés de l'UDPS, l'UDPS elle-même, le président lui-même, qu'est-ce que vous dites par rapport à cette situation d'Est? Nous avons défendu la candidature du candidat Félix Tshisekedi à l'élection présidentielle. Aujourd'hui, il est président de la République. Nous le défendons. Nous sommes prêts à le défendre jusqu'aux prochaines séances électorales. Et je ne sais pas comment le schéma va se présenter, mais je pense que si
il dépose sa candidature, nous serons toujours fiers de pouvoir le défendre. D'accord, qu'il faut regarder mais les je élections. Ne me suis pas, mais je ne me sens pas obligée de défendre les personnes envoyées par des partis politiques, dès lors que moi-même, je ne sais pas me convaincre du fait que les attentes de la population sont rencontrées. Il y a encore un problème de sécurité qui se pose. Le président de la République, dans son discours sur le 75e sommet de Nations Unies, il est revenu sur sa détermination de voir dans le tout prochain jour la situation se calmer et carrément être éradiquée. Ben, ça, il a convoqué le mini-sommet de chefs d'État, Il y a des raisons qui ont fait qu'à ce jour, il a été reporté. Mais à son pourquoi, niveau et avec ses homologues... Pourquoi vous ne me dites pas les raisons qui ont été évoquées? Les gens estiment que c'est d'abord un parce que Vital Kamerhe est en prison et que la population de Goma refuse de rencontrer les chefs de l'État. On lui a clairement lancé un message, on a brûlé des pneus pour lui dire « tu reviens ici si tu viens avec Vital Kamerhe ». Ça, c'est le premier élément, c'est ce que les gens disent. C'est tout à fait faux. Oui, deuxième élément, vous allez avoir le temps de répondre. Deuxième élément, les gens disent que, bon, il ne peut pas recevoir Kagame chez nous, parce que, bon, il y a beaucoup d'exactions que Kagame n'a jamais reconnues, et que tous les pays voisins, disons, les pays qui allaient participer à l'affaire, ne veulent pas de Kagame. Le seul à vouloir de Kagame, c'est Félix Tshisekedi. Que dites-vous, CDU? C'est d'abord tout à fait faux que les sommets aient été annulés. Pour ces raisons, je pense que la présidence de la République, avec ses canaux officiels, sont les mieux indiqués pour nous dire les raisons de ces reports. Mais moi, pour ma part, je pense que les raisons, elles doivent être les bonnes raisons. Le président de la République, il a un agenda qu'il doit respecter. Il a des services qui sont censés veiller. Là où il n'est pas là, le président de la République n'est jamais absent. Lorsque le chef d'état-major général a fait son déplacement, le ministre de la Défense nationale a fait son déplacement pour l'est du pays, c'est le président de la République qui est sur place. On doit ne pas oublier qu'au sein de l'UDPS, tout comme au sein de l'UNC, au sein de la Dynamique Congo Unie Mon Parti, au sein de toutes les familles politiques, il y en a qui croient en l'innocence de Vital Kamerhe. Il y en a qui croient en sa culpabilité, même dans l'UDPS. Il y en a de ceux qui croient en son innocence. Il ne faut pas penser ni nous faire croire que tout l'UNC est contre l'arrestation du président, de leur président Vital Kamerhe. Ça, c'est tout à fait faux. C'est ainsi que j'ai dit qu'il est hors de question de penser que ce soit pour cette raison. Non. Et le brûlé, pneu brûlé. Ce message passé. Mais ce sont des cas isolés, comme je le dis, qu'il y a des gens qui pensent qu'il est innocent, il y en a qui pensent aussi qu'il est coupable. Donc, il ne faudrait pas empêcher à cette catégorie de citoyens congolais de pouvoir s'exprimer. Ah, donc, c'est ce qu'on peut considérer que si le président n'est pas parti à Goma, c'est par peur d'être hué, c'est par peur d'être lapidé. Non, mais c'est tout à fait se tromper sur la lecture. Ah, très bien. Parce qu'autant qu'il y a eu ceux-là qui ont manifesté il y a des ceux-là qui ont manifesté pour, et c'est un fait mineur, étant donné qu'il y a des services, des renseignements, des services de sécurité qui peuvent très bien informer le président de la République par rapport à la situation. Non, la situation sécuritaire n'est pose, la situation de la sécurité du président de la République n'est pose aucun problème. Le refus des autres pays voisins, disons le refus de Burundi par exemple, qui a dit que le Kagame n'est pas, je vais utiliser son terme, il est hypocrite. Alors il ne peut pas discuter avec un hypocrite. Ouganda dit la même chose. Mais pourquoi c'est Félix Tshisekedi qui embrasse à corps et à cœur Kagame? Pourquoi? Simplement parce que nous avons des tempéraments différents. Vous, face à votre adversaire, face à votre ennemi, chacun réagirait à sa manière. Et jusque-là, le président Félix Tshisekedi nous a démontré que sa conviction est celle de procéder essentiellement par des échanges, par des ententes, parce qu'il estime, et nous aussi, parce que nous accompagnons sa vision, que nous pouvons encore privilégier des échanges, ces genres avec, de sommets. Avec ceux qui ne vous permettent, ne vous respectent pas. Ceux qui ne vous respectent pas, mais c'est juste une question de temps. C'est vrai que vous direz que ça a déjà pris tellement ça du temps. Ça fait 20 ans. Ça, c'est vrai. Mais le président de la République que nous avons, il a une stratégie qu'il a mise en place. Il a des convictions qu'il a. Il avait dit, je le répète, qu'il donnerait tout, même sa vie,
pourvu que la paix revienne à l'Est. Il est revenu sur ça, sur les sommets de Nations Unies, et je suis très sûre que l'on doit d'abord lui faire confiance par rapport à ce qui a été la ligne qu'il a choisie, celle-là des échanges, des ententes, espérant que ça pourra résoudre le problème. Est-ce que vous pensez que ce message rencontre les vécus de ceux qui vivent à l'Est du pays? Madame Oudia, vous êtes avocate aujourd'hui, vous avez réussi votre vie, mais peut-être si vous étiez à Goma, si vous étiez dans le plateau de Fizi, ou si vous étiez certainement à Minembwe, peut-être vous ne seriez pas là. Peut-être on parlerait de vous dans une histoire. Beaucoup d'enfants se retrouvent dans les albums photos. Là-bas, les mamans ne se souviennent que d'eux parce qu'ils sont dans les albums. Mais en réalité, des âmes perdues, des âmes détruites, parce que des gens ont estimé qu'il fallait mettre fin à la vie des milliers de personnes. Mais c'est quand même bizarre. Des généraux ne sont pas arrêtés. Les services de renseignement n'ont pas bougé. Personne ne tombe malgré qu'il y a deux morts. Alors, le même épisode continue à l'époque des Fatih. On se pose la question, mais est-ce qu'il est encore avec nous ou pas? Voici les grands questionnements de cette population. La situation de l'Est de notre pays n'enchante personne. Je vous dis, lorsqu'on en parle, on a tout le temps des larmes aux yeux. À voir ce que nos frères de là subissent depuis plusieurs années, ouais. C'est insupportable et les choses ne peuvent pas continuer de cette manière. Mais ce n'est pas aussi par un déclic que la situation va se régler. Je suis tout à fait d'accord avec vous qu'il faudrait qu'il y ait des sanctions. Des sanctions, on ne doit pas seulement les entrevoir à l'endroit des pays voisins, mais aussi, mais même de ceux qui ont eu cette responsabilité, exact, de la part du président de la République, ouais, pour veiller à la situation. Et nous devons donner l'impression à ces nombreux de nos concitoyens que déjà la situation, elle est connue et elle est maîtrisée. On doit réellement savoir quelles sont les vraies raisons de la pérennisation de ces tueries ou de ces guerres, quelles sont finalement les solutions adéquates que l'on doit apporter à cette situation. Et n'est pas ainsi de faire, c'est laisser le peuple de ce coin sombrer dans l'incertitude. Et cette situation nous révolte, je pense que le président de la République également. Alors, on va terminer ce débat, mais un clin d'œil sur la Mouka, si ça vous intéresse d'en parler. La Mouka, bon, on va dire Martin Fayoulou, ça fait quand même assez longtemps, mais il a quand même dit qu'il fallait mettre le président en accusation. En fait, il fallait que les députés mettent le président en accusation et qu'on puisse le destituer. Bon, et puis vous avez de l'autre côté la chambre du Sénat, la présidente de l'Assemblée nationale. On ne sait pas, je le dis, je ne sais pas si c'est elle qui a dit ça, mais elle dit, on lui fait dire que, je parle d'une citation qu'on lui attribue, elle dit dans cette citation que demander la destitution du président de la République, ce n'est pas connaître la Constitution, ce n'est même pas connaître comment les choses se passent. Eux, du côté du FCC, ils n'ont jamais pensé cela. Mais quelques jours seulement après, monsieur du FCC, le nom viendra certainement, sort de son grand silence, et bien il débat le projet. Le président sera élu au deuxième tour, au niveau de l'Assemblée nationale, un suffrage indirect. Oui, je crois, indirect. Oui. Alors, aujourd'hui, quelle est la réponse que vous avez par rapport à tout ce plan-là? La réponse part d'abord du constat. Le constat est que aujourd'hui notre population, en tout cas les populations congolaises, se sont rendues compte que l'opposition ne sert pas le pays, en tout cas pas du tout. La situation politique a évolué. Autrefois, quel était le rôle de l'opposition? Le rôle était celui de combattre la dictature. Nous y sommes arrivés, chapeau à cette opposition, celle-là conduite par Étienne Tshisekedi, d'heureuse mémoire, que j'honore toujours, dont je salue toujours la bravoure et la constance dans la démarche. Aujourd'hui, la situation a évolué. On sait que la vision doit être celle sécuritaire pour solutionner le problème de l'Est et essentiellement le vécu quotidien. Mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui dans l'opposition? On vient tout le temps soulever des questions qui n'ont rien à voir avec l'intérêt du peuple. Et admettez aujourd'hui, mais prenons l'hypothèse la plus extrême, que le président de la République soit mis en accusation. Qu'est-ce que ça résout comme problème pour notre peuple? Fayoulou répond à la question. En disant quoi? Légitimité.
ça résout le problème de la légitimité. Enfin, le peuple ne perdra pas. C'est vrai que quand je poursuis la logique, moi-même, je me perds aussi par rapport à ce qu'on ne comprend pas exactement ce que ça veut dire. Il dit, bon, je vais reprendre ses propos. Il dit, c'est la légitimité. Au moins, le peuple saura que bon, la personne que je n'avais pas élue et qui avait triché est tombée. Ben après, à ce moment-là, le siège, je ne sais pas si qui va l'occuper, si ce sera la Bouka ou quelqu'un d'autre, mais en tout cas, au moins la réflexion se limite là. Mais quel en sera le retombé? Parce que la vision du président Étienne Tshisekedi était claire. Que si aujourd'hui le dictateur est parti, chaque peuple, chaque citoyen congolais verra ses droits être protégés. Mais quelle est les retombées de ce qu'on appelle légitimité? Le peuple congolais ne se plaint pas. Le peuple congolais est aujourd'hui fier de celui qui est à la tête du pays. Ben, c'est vous qui dites ça. Vous mais avez c'est vu clair. À Sainte-Thérèse comment les gens étaient pleins, ils ont accueilli Fayulu. Cette fois-là, il n'a pas dansé, mais il était avec eux. Il leur a dit que je suis avec vous, je tiens, on est ensemble. Et vous avez vu le peuple. Mais justement, celui qui est allé l'accueillir est de loin très moins nombreux que ceux qui sont restés dans leur maison en train de croire au changement, en train de croire au fait que le président de la République finira par s'en sortir. Le président de la République, on doit aujourd'hui comprendre qu'il est entouré de personnes qui n'ont pas la vision de servir le peuple. Il est entouré des personnes qui ne pensent qu'à eux, des personnes qui ne pensent qu'à leur retour au fauteuil présidentiel. Alors qu'aujourd'hui, nous ne pouvons même pas parler des élections. À la limite, penser aux réformes, mais pas penser à qui sera demain candidat, qui ne sera pas candidat, qui peut-être sait si serait moi la candidate président de la République et même le président élu. Je voudrais pour vous tout de suite, hein, si vous êtes candidate. Ce sera la première fois quand même qu'on ait une femme qui va oser. Non, il y en a quand même eu. Il y en a quand même eu, madame. Surtout, qui se démarque, qui vraiment se tire du lot. Mais c'est vous, je voterai pour vous, sincèrement. Mais c'est ça, j'ai dit que ce n'est pas le moment de parler des élections de 2023, le format des candidats présidents. Peut-être parler des réformes, là je suis tout à fait d'accord, parce qu'il y a plein de choses que l'on doit reprocher à notre système électoral. Et on doit réfléchir pour voir lesquelles doivent être résolues à moyen, à court et à long terme. Ça, c'est un débat qui en vaut la peine. Mais plutôt que penser à qui sera candidat, qui ne le sera pas, je pense que c'est très précoce, c'est prématuré et c'est même remettre en cause l'intérêt du peuple. Parce qu'aujourd'hui, pour le peuple, il a déjà donné un mandat à Félix Tshisekedi qui travaille avec le FCC, qui travaille avec le CASH, qui de l'autre côté a à l'opposition Lamouka. Nous devons penser finalement à l'intérêt du peuple parce que notre peuple continue à souffrir. Est-ce que vous allez cautionner Malonda, encore une fois, parce qu'on a comme l'impression que le FCC continue à garder Malonda. La carte de Malonda n'est pas passée. Ah, c'est là. Ça rejoint pratiquement ce que je venais de dire. C'est lui de dire qu'on ne voit, on ne fait aujourd'hui la politique que pour voir ses propres intérêts. Alors qu'on doit être, on doit avoir une vision, on doit avoir des idées pour faire développer. C'est quoi votre position dynamique? Notre position quant à ce est que nous devons réellement nous interroger sur ce qui risque de ne pas sérieusement nous diviser. Parce qu'il n'y aura jamais de l'unanimité sur la désignation des animateurs, surtout pour l'institution telle que la CENI. Mais il faudrait que l'on opte pour un schéma qui ne va pas le plus diviser le peuple congolais. Qui sont on? Vous, CDI, IDPS, FCC, on, ensemble? Ensemble, toute la classe politique doit réfléchir sur le fait que on ne doit pas toujours se moquer de notre peuple. Mais le FCC est déjà avancé sur la question. Il dit trouver les candidats à d'autres composantes. Mais Malonda est déjà président. Mais c'est là tout le problème. C'est là tout le problème. On oublie le rôle que joue le président de la République dans la vie de cette nation. On oublie que la Constitution de la République organise. L'esprit du constituant voudrait que le président de la République fasse un mandat double. Deux mandats successifs. Et je pense que la logique voudrait qu'aujourd'hui, le FCC, qui constitue avec le CASH la famille ou la coalition au pouvoir, travaille dans le sens de faire gagner le président Félix Tshisekedi aux prochaines élections. C'est ça la logique. Et tout politique doit avoir une logique. Lorsqu'on n'a pas de discipline, on doit changer de carrière. On doit faire autre chose, pas la politique. Et je ne vois pas pourquoi on doit continuer à pousser
Malonda qui, par exemple, d'après la correspondance du président de la République quant au sujet, ne marche pas avec cette idée. On doit, tout celui qui se reconnaît de la coalition au pouvoir, chercher à comprendre ce qu'est la vision du président de la République pour les prochaines élections, travailler de sorte à le mettre dans les conditions de gagner haut la main les élections prochaines. Qu'est-ce que vous entendez lorsque les membres de l'UDPS, certains, estiment qu'il n'y aura pas élection? J'ai entendu un membre du gouvernement dire, par exemple, que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, fera la remise et reprise avec le Seigneur Jésus-Christ. Et donc, il n'y aura pas élection en 2023 parce qu'il faut d'abord passer à l'identification nationale, au recensement, qui nous prendra carrément 10 ans. Vous avez entendu M. Olongo qui parle, par exemple, de jusqu'en 2030 qu'on aura peut-être les élections. Est-ce que c'est parti pour un nouveau dictateur? Est-ce que c'est parti pour un déni de nous-mêmes? Nous avons chacun des tempéraments différents, je l'avais déjà dit ici et je le répète. Et face à des situations données, chacun réfléchit de la même manière, mais on doit quand même arrêter d'attribuer des propos, par exemple, des individus aux structures. On doit arrêter aussi d'attribuer les propos d'un militant, par exemple, de l'UDPS au président de la République ou un militant du PPRD au sénateur à vie, Joseph Kabila. Alors, dire ou soutenir des choses pareilles, je pense que ça amènerait Étienne Tshisekedi de se retourner dans sa tombe. Ce sera une autre façon de consolider ce contre quoi lui, il avait lutté. Mais il faut ne pas oublier que la tenue des élections dans un pays tient compte de beaucoup d'aspects, beaucoup d'éléments doivent entrer en ligne de compte. Et il ne faudrait pas... Vous ouvrez une parenthèse subtilement comme pour nous faire croire que c'est envisageable l'identification nationale. Mais si ça vaut pour des bonnes élections et les échéances prochaines, il le faut. Il faudrait même par si moment... Même si ça peut retarder les échéances un peu... Je ne voudrais pas que ça soit le cas. Mais il ne faut pas oublier que la politique, elle est dynamique et le dynamisme de la politique dépend de l'intérêt du peuple, l'intérêt de la communauté. Aujourd'hui, on ne doit plus avoir des cycles électoraux les mêmes que ceux qui sont aujourd'hui, qui sont derrière nous. Le président de la République, alors candidat président, lorsqu'il sortait de la salle, de la salle de vote où il était allé voter, il a déploré les conditions calamiteuses et chaotiques dans lesquelles s'étaient les élections. Il ne faudrait pas qu'aux prochaines élections, par exemple, un candidat opposant redise la même chose. Il faudrait que les choses soient bien, que le peuple se sente à l'aise d'aller voter dans des bonnes conditions. Et c'est un peu ça. Et si le prix à payer est le prolongement, tant mieux si c'est pour l'intérêt du peuple. Plus que deux questions pour terminer cette émission. La première, c'est d'abord le retour du sénateur à vie. Est-ce que vous l'interprétez de la même manière que les autres? Il y en a qui pensent que Kabila, en rentrant au niveau du Sénat, c'est un message qu'il lance à ses faucons pour leur dire « Écoutez, je ne veux pas être président, ma place c'est au Sénat. » D'autres estiment par contre que Kabila rentre pour se rassurer que tout se passe en sa faveur et que tout soit bien. Il ne veut plus subir ce qu'il a subi avec Bahati Lukwebo, où les sénateurs n'ont pas voté comme il avait promis. Il avait promis à Kabila Tambo Mwamba. Est-ce que vous pensez, quel est votre point de vue sur les deux approches? Déjà, je pense que je suis du même avis que ceux qui pensent que le sénateur à vie n'est pas un sénateur. C'est un titre honorifique qui ne vous donne pas du tout droit à venir au Sénat. Étant donné que vous n'avez pas été élu, vous n'avez pas des circonscriptions électorales, c'est juste un titre que vous a reconnu la nation. Vous ne votez pas. Vous ne votez pas. Ça veut dire pour moi que vous avez votre place dans chacune des institutions. Peut-être pas dans le sens d'avoir une voix délibérante, mais de donner de votre expérience pour l'intérêt du peuple. Et lorsque il choisit de venir au Sénat, par exemple, oui, les séances du Sénat, elles sont publiques, elles sont ouvertes à plusieurs personnes. Mais il a été quand même regrettable de voir l'accueil aussi spécial, ostentatoire qui a été réservé. Parce que pour nous, c'est bien sûr, c'est une personnalité politique. Mais c'est leur chef politique.
Oui, mais là, il ne s'agissait pas de faire la politique dans le sens de famille politique. Là, il est question de servir le peuple. Le palais, il est du peuple, il n'est pas du PPRD. Mais est-ce que, maître Odia, ce n'est pas quand même, on va dire, c'est une situation inédite. On n'a jamais eu un ancien président qui devient sénateur, du coup, et se retrouve dans une situation où il n'y a pas de précédent. Comment on fait? Est-ce qu'on accueille un ancien président de la République qui devient sénateur? Est-ce qu'on le laisse venir comme tous les sénats, comme tous les sénateurs? Parce que, par exemple, là, on l'a vu, quand il a porté son étole, je ne sais pas si on appelle ça comme ça, il demande même pourquoi il n'y a pas avis. Il dit qu'il est sénateur, mais j'aurais voulu. Pourquoi il n'y a pas avis? J'aurais aussi voulu qu'il soit indiqué avis pour marquer cette différenciation entre lui et les autres. Et c'est tout à fait normal, c'est une personnalité politique, il a été président de la République de notre pays pendant plusieurs années, il mérite tous ses éloges, il mérite toute cette joie. Est-ce que c'est beau pour la démocratie? C'est beau pour l'image de la démocratie. Pour la démocratie, mais il faut que nos députés, les hommes politiques, sachent qu'ils ne sont plus le peuple, mais ils sont une partie du peuple. Ils sont censés prêcher par un certain exemple. Ils ne peuvent pas avoir des réactions épidermiques comme si on était au marché, par exemple. Mais le fait pour lui de revenir où? À l'Assemblée, peut-être venir dans les salles, dans les hémicycles. Vous avez entendu la chanson « Ah, Kozonga, Kabila, Kozonga » Mais ça, ce sont des... « Namukundinaye, Ah, Kozonga » Je pense que ça... Ça fait mal hein, quand vous entendez cette chanson. Vous dites, mais qu'est-ce qui va se passer ici? Pas du tout. Je venais ici de dire que le moment est très mal indiqué pour parler de qui sera ou ne sera pas candidat aux prochaines élections. Et cette question, pour l'instant, non seulement qu'elle fâche, mais surtout qu'elle elle ne présente aucun intérêt pour notre peuple, je voudrais vraiment que le président Joseph Kabila, bien sûr que je peux l'appeler comme ça, il est président de son parti politique, il est ancien président de la République, pourquoi on ne l'appelait pas comme ça? Des anciens députés, on les appelle honorables, et même ceux qui ont été candidats malheureux, on les appelle parfois honorables, ça ne pose aucun problème de l'appeler président de la République. Alors, vous allez regarder la caméra, on va terminer cette émission. Il y a un jeu de 5 questions, et vous répondez très brièvement. Madame Odia, comment voyez-vous, comment jugez-vous l'action politique, la personnalité de Madame Mabunda? Lorsque Madame arrivait au pouvoir, nous avons été de ceux qui ont milité pour la faire accepter auprès de nos populations, du peuple congolais, parce que, étant donné qu'elle venait de l'autre côté, du PPRD, un parti politique dont pour laquelle le peuple en avait marre, il faudrait que l'on joue sur cet aspect du genre pour la faire accepter. Mais malheureusement, arrivée à la tête du pays, jusque-là, nous sommes rendus compte du nombre de fois où elle a raté aux occasions de nous faire réellement plaisir, alors qu'on comptait beaucoup sur elle. La communication de Madame la Présidente de l'Assemblée nationale sur les ondes de Top Congo, on n'a pas eu l'impression d'être en face d'un homme d'État. On a plutôt eu l'impression d'être en face de quelqu'un qui ne défendait que ses pairs, qui ne défendait que les députés, alors que les députés eux-mêmes sont là pour défendre le peuple. Et lorsque vous vous mettez à ne plus défendre le peuple ou à ne le défendre qu'à peine voilé, ça veut dire que vous n'êtes plus là pour l'intérêt du peuple et que votre place ne se justifie plus. Mais étant donné qu'elle est là, les jeux démocratiques et celui-là, si ce n'est pas la dissolution de l'Assemblée, ce sera la sanction à la fin de son mandat. Est-ce que Mme Mabunda est une réponse à la bonne question ou Mme Mabunda est un rendez-vous manqué? Non, mais c'est clair. Je venais de le dire ici que ça a vraiment été un rendez-vous manqué. Je ne voudrais vraiment pas parler de sa personnalité ni la critiquer, son tempérament. On passe à autre chose. Mais on voudrait vraiment qu'elle fasse mieux prochainement. Monsieur Tambou Mouamba, comment vous le trouvez? C'est d'abord un avocat. Moi, en tant que tel, j'ai un devoir qui est celui de la délicatesse. Les devoirs de déontologie me permet à toujours apprécier la personne. Mais étant un acteur politique avec plusieurs critiques qui sont adressées contre lui, je voudrais vraiment qu'il soit attentif à ce que veut le peuple, à ce que attend le peuple de lui. Sinon, il subira le même sort que tous les autres politiques qui auront déçu le peuple. Rendez-vous manqué ou une réponse à une question? Je pense que c'est aussi, comme la première, un rendez-vous manqué.
Comment voyez-vous Madame Olive Lembe après le pouvoir, ses réactions, son comportement, sa façon d'être? Dites-moi, dites-nous, comment vous le voyez? Je pense que Madame Olive Lembe est en train de jouer pleinement son rôle, dans le sens que, vous savez, notre population, elle aime bien être à côté de ses dirigeants. Et Madame Olive Lembe a été pendant plusieurs années la première dame de notre pays. Le fait pour elle de se montrer, d'accompagner, d'être proche de son peuple, je ne peux que saluer, là, parce que ça arrive toujours à un point nommé où il y a quelqu'un qui était dans le désespoir, soit qui aura bénéficié de quelque chose de matériel, ou carrément de la joie de voir cette Olive Lembe que je voyais autrefois à la télé. Aujourd'hui, je l'ai vue près de moi. Je ne pense pas qu'il y ait de choses à lui reprocher dans ce qu'elle fait comme activité. Comment voyez-vous Madame Denise Nyakiro? Oh, mais celle-là, c'est une bénédiction pour notre pays. Elle pense à comment donner le sourire. C'est ce que je garde de notre première dame, dans le sens qu'elle ne voudrait pas que l'on réfléchisse beaucoup pour donner aussi beaucoup. Parce que même ce peu-là, le petit sourire que l'on peut donner à l'autre, peut créer un grand bonheur dans sa vie. Et c'est en cela qu'elle encourage toujours les gens de créer de la joie, de l'enthousiasme autour de soi. Et c'est pleinement ce rôle que devrait jouer la première dame. Elle le joue bien, j'en profite pour lui présenter nos félicitations pour ses différentes actions. Nous avons même suivi l'Assemblée générale dès sa fondation. Elle a pu retracer tous les dons et legs, toutes les activités. Nous lui remercions pour ce rôle qu'elle a bien accepté de jouer dans notre pays. Pour ceux qui pensent que Mme Olive cherche à être sa rivale en termes politiques, est-ce que vous êtes du même avis ou vous pensez que les deux ne sont pas comparés? Bon, mais je pense que ça s'explique. Elles ne sont pas moins des acteurs politiques dans notre pays. C'est vrai que ce sont les épouses des chefs de l'État, mais à ce niveau de la République, elles sont aussi de personnalités politiques. Ce n'est que normal qu'il peut y avoir ce que les gens pourraient regarder comme des rivalités. Par moments, ce n'est pas elles qui les créent, mais leurs différents entourages. Leurs entourages respectifs créent des isanies comme ça. On les a vus se saluer très bien. Je vais vous embarrasser un peu. La salutation, il ne faut pas, qu'on parle de ça, parce que là, vous avez envie la polémique qui est dedans. Mais s'il fallait choisir entre les deux, si elles étaient candidates à un poste de bon cœur, par exemple, ou des bonnes actions, vous allez élire qui? Vous allez élire qui? Mais comment vous pouvez me poser cette question, étant donné que pour le moment, nous avons la maman Denise? Si elles arrivaient à être candidates à un même poste, ça veut dire que maman Denise sera la candidate à sa propre succession. C'est tout à fait normal qu'on doit pérenniser ce mandat qui a déjà commencé, c'est clair. Donc c'est Denise que vous choisirez? Mais je ne sais pas de quelle autre manière je devrais le dire. Très bien. Je dis simplement qu'elles sont toutes là en train de donner le sourire au peuple qui les entoure, qu'elles visitent, et elles ont toutes de leur place. Très bien. On va terminer avec Joseph Kabila Kabange. Comment vous le trouvez en tant que Joseph Kabila Kabange? Est-ce que c'est le problème de ce pays? Je pense que s'il n'est pas le problème, il devrait au moins aider la République à résoudre certains de ses problèmes. Ça, c'est clair. Et je ne le dirai pas d'une autre manière. C'est clair que je dois ainsi le dire. J'aurais voulu que ce soit un Joseph Kabila consciencieux, un Joseph Kabila qui se mette en face de lui-même. Ça me permet d'ailleurs de revenir sur l'une des pensées sages des Oasekwa, celle de dire que les meilleures rencontres de la vie, c'est celles que l'on fait avec soi-même. Il faudrait se mettre en face de soi-même pour se dire ce qui a manqué à son action lorsqu'il était président de la République, ce qu'il peut aujourd'hui réellement apporter à notre peuple. Il ne faudrait pas qu'il se mette dans la même posture que ceux qui n'ont jamais été président de la République dans ce pays. Aujourd'hui, nous en avons deux, un ancien et celui qui est en fonction. Celui qui est en fonction devrait absolument nous montrer qu'il se démarque, qu'il est un tout autre personnage, qu'il peut donner quelque chose de grand et de bon pour notre pays. Est-ce que vous avez besoin de garder contact avec les Congolais pour quel cas vous allez donner vos coordonnées? Bien sûr que j'aime bien garder des contacts avec notre peuple. Vous savez,
la vision, elle est très grande, celle de pouvoir un jour diriger ce pays, à quelque niveau que ce soit. C'est toujours très important lorsque vous voyez dans son entourage, les gens vous désignaient pour porter leur parole. Et c'est très important. Merci. D'ailleurs, j'en profite pour l'occasion que vous nous donnez sur votre plateau de toujours communiquer avec la base, communiquer avec vos différents internautes. Ça nous permet d'ailleurs de continuer avec des échanges pour voir comment on peut améliorer l'action, comment on peut améliorer la vision. Mais le rendez-vous, je leur donne au siège de notre parti politique. Je suis présidente de la Ligue des femmes, la coordonnatrice nationale de la Ligue des femmes au sein de notre parti politique. Donc, m'y retrouver, c'est quelque chose de très facile. L'adresse du parti, elle est bien connue. Pas besoin de numéro de téléphone. Non, mais l'adresse, là, celle que je donne du parti, c'est sur Willeri, par exemple, Willeri, en face du marché Lufungu. Là, vous voyez très bien, il y a un immeuble. Au deuxième niveau, il y a la Dynamique Congo Unie, partie chère à Vidi et Chimanga. Vous y trouverez Maître Arlette. Vous y trouverez tant d'autres mamans qui constituent la Ligue des femmes du parti. Merci beaucoup, Maître Arlette Odia. Je rappelle que vous êtes coordonnatrice de la Ligue des femmes au parti Dynamique du Congo, Dynamique Congo Unie de Vidier Chimanga, qui est conseiller spécial du chef de l'État. Vous êtes alliée de l'UDPS, avocate, on va dire. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été très nombreux. Merci d'avoir suivi les émissions, disons cette émission, mais aussi toutes les émissions face à face. Vos questions, vos suggestions, vos remarques, n'hésitez pas. Laissez-nous des messages. Si vous avez encore besoin d'elle, on reviendra avec elle pour répondre à toutes vos questions. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Plus précisément, Washington. Balobi maman Marthe Nde, maman Marthe Nde, balobi shop Africa Union. Mais quand t'es qu'un nyonso, biloko yaye, 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 congolais. On y dit de kola yo, a sali sa yote. Bon a kolia na yo, moko ma bonne la yo. Bon a mtoto na yo, moko ya ele. Moko ma bonne la yo. Balobi bio, bio Africa Union. Et quand t'es qu'un nyonso, tout à kola na ma sinon kolia pa ya, sinon kolia di. Pour pas tout comprendre, Mawa. Où allons-nous? Où allons-nous? Pour la Coriana, puis nous m'envoie. Pas pour les radios, Coriana, appétit. Toto ngaboka kulika kitoko.